Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Grand Lille TV. L'actualité est ce mardi, c'est la grande journée de mobilisation nationale contre la politique sociale du gouvernement Macron. Les syndicats CGT et FO, les étudiants de l'UNEF et les lycéens de l'UNL dénoncent une destruction du modèle social. Au niveau local, après une précédente grève le 18 septembre dernier, les facteurs protestent de nouveau aujourd'hui. Ils cherchent à s'opposer à la transformation de leur métier. Transformation qui ne leur convient pas, notamment au niveau de l'amplitude horaire. Les syndicats déplorent un manque de dialogue. Alors pour montrer leur mécontentement, les facteurs étaient dans la rue ce mardi du côté de Maubeuge, Caudry, Pondu ou encore Vambrechy. Et à Roubaix, ils étaient une vingtaine à manifester. Lucille Berthe-Constant était sur place pour Grand Lille TV. À propos de l'amplitude de nos horaires, on n'a aucune compensation. Auparavant, on entendait parler de qualité de service. Maintenant, on n'entend plus parler que de service. Et au niveau de nos salaires, nos salaires n'évoluent pas depuis des années. Ça fait des années que nos salaires n'évoluent pas. On nous demande de faire des efforts, de faire preuve de bonne volonté. Mais nous, nos salaires restent toujours au même point depuis des années, où ils évoluent très peu. Les salaires n'équivalent plus la pénibilité de nos emplois. D'autant que maintenant, avec la pause méridienne qui arrive, on va nous demander d'être présents sur le terrain le double du temps, pratiquement. Le double du temps. Donc, peu importe les intempéries, les conditions, on va devoir être à l'extérieur. Et c'est contre ça qu'on lutte. Nouveau coup dur pour le Secours Populaire du Nord après l'incendie des locaux de Seclin la semaine dernière. À Armentières, des locaux ont été cambriolés. Parmi les objets volés, des denrées non périssables, du matériel de sonorisation et surtout de nombreux jouets qui devaient être distribués pour l'opération du Père Noël Vert. Tous les bénévoles ont été très affectés par ces deux faits divers la semaine dernière, à l'image de Jean-Louis Callens, le secrétaire général du Secours Populaire du Nord. Pour lui, l'incendie est volontaire, les jouets ont été volés pour être revendus, mais les choses devraient pouvoir s'arranger. Du côté de Seclin, la municipalité va prêter un nouveau local dans les prochains jours et une braderie collecte va être organisée dimanche dans cette ville. Déjà l'année dernière, les actes de vandalisme contre le Secours Populaire du Nord s'étaient multipliés. Écoutez le coup de gueule de Jean-Louis Callens au micro de Lucille Berthe-Constant. Celles et ceux qui sont malhonnêtes, si c'est des malhonnêtes, si c'est criminel, eh bien, faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent parce que c'est plus possible. Parce qu'en même temps, ils pénalisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent chercher l'aide au Secours Populaire. Ça, ils devraient le savoir. Alors, peut-être aussi qu'ils disent, ah ben c'est bien, on va aller cambrioler. Au moins là, il y a quelque chose à prendre. Bon, mais enfin, on ne peut pas admettre ça. C'est pas possible. Et c'est vraiment une déception par nos amis. Mais enfin bon, les amis de Seclin et les amis d'Armentières ont décidé de réagir, de lancer les collectes, de se rebouger. Depuis 2002, le programme Émergence accompagne des jeunes issus de milieux modestes vers la réussite scolaire. Chaque année, de 30 à 50 lycéens sont sélectionnés pour participer au programme. Issus d'une vingtaine de lycées de la métropole, ce sont d'ailleurs ces lycées qui contribuent à la sélection des candidats. Des entreprises marraines soutiennent financièrement l'opération et parrainent un ou plusieurs jeunes. Des universités et des grandes écoles réduisent, eux, leurs frais de scolarité pour les membres de ce programme. Les lauréats vont pouvoir, pendant leurs études, percevoir une bourse d'études allant de 1 000 à 6 500 euros par an. En contrepartie, ils s'engagent à réussir leurs études et leur insertion professionnelle, ainsi qu'à communiquer par la suite sur leur parcours et à s'impliquer dans une action citoyenne. La promotion Émergence 2018 sera présentée le 15 octobre prochain. Écoutez cette interview signée Margot Sailly. Alors moi j'ai été recrutée par Arelli au tout début de mes études, donc j'ai fait 5 ans d'études d'ingénieur à l'ICAM Lille. J'ai été sélectionnée par le programme Émergence et j'ai bénéficié d'un accompagnement pendant mes 5 ans d'études, un accompagnement financier puisque j'ai fait une école privée qui était assez onéreuse. Et un accompagnement pédagogique sur les problématiques diverses que j'ai pu rencontrer pendant mes études. Et en plus de ça, j'ai eu un accompagnement aussi sur mon orientation professionnelle, puisque en ayant fait une école généraliste, j'ai pas tout de suite su quelle voie je souhaitais emprunter. Et donc, j'ai été amenée à rencontrer beaucoup de monde qui faisait partie du réseau d'Arelli Émergence et qui m'ont guidée tout au long de mes choix pendant mes études, et notamment avec le parrainage de projections.
Et puis déjà présente à Paris, Toulouse et Lyon, l'association Les 1111 des Arts est désormais présente à Lille. Dominique Rognier et Catherine Soubrier, les deux cofondatrices, ont toutes les deux perdu un enfant emporté par une ostéosarcome, un cancer des os. Et l'expo-vente qui se prépare se fera au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques. L'idée, c'est de réunir 111 artistes de la région pour la bonne cause, du 12 au 17 mars prochain à la salle du gymnase à Lille. Pour l'instant, les créatrices de l'association cherchent des artistes souhaitant collaborer à l'opération. Alors si vous souhaitez rentrer en contact avec elles, ça se passe sur le site internet les111desartslille.com ou sur leur page Facebook et Instagram. Plus d'informations tout de suite dans cette interview signée Idil Gunay. On ne donne pas de couleur parce que ça sera forcément multicolore et on fait appel à un jury. Parce que c'est pas nous, on n'est pas assez qualifiés et c'est un jury. Un jury positif hein, pour voilà pour choisir et sélectionner les artistes. On espère avoir des artistes connus, reconnus dans la région, mais aussi des artistes plus amateurs, comme on dit du dimanche, voilà. Donc c'est la passion ou le hobby. Le parrain de l'association, donc c'est Lem, qui est un artiste street art de Roubaix et qui était l'artiste qui a adulé Paul Émile. Il avait notamment des tableaux dans sa chambre. Il avait demandé à Lem de lui personnaliser une paire de baskets. Donc quand on a réfléchi à un parrain pour l'association, naturellement, on a pensé à lui. On reste dans le milieu culturel et on parle musique. Un concert au stade Pierre-Mauroy pour sa tournée d'adieu. Les fans d'Elton John sont ravis depuis l'annonce faite ce mardi par le chanteur britannique. Le 18 juin prochain, le chanteur de 71 ans se produira donc à Villeneuve-d'Ascq pour le premier des quatre concerts qu'il va donner en France. Les billets seront en vente à partir du 17 octobre prochain dès 10h. Il risque de partir très très vite. Mardi matin, sacré pagaille du côté de la métropole lilloise. 50 000 personnes ont été privées d'électricité dans le centre et le sud de l'île et dans les communes voisines. Certains feux tricolores ne fonctionnaient pas, des magasins étaient dans le noir et les portes automatiques d'habitation ne se sont pas ouvertes. La faute à un incident sur un poste source dans le quartier de Moulins, peu avant 11h. Heureusement, les équipes d'Enedis sont intervenues rapidement et l'électricité était complètement revenue vers 11h30. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo et l'actu revient sur Grand Lille TV, c'est dans le prochain quart d'heure.